qui se dirait. Et moi, je politicien en Haïti, m'a suivi politique depuis 85. Je suis entré à Port-au-Prince fin 84 pour entrer à 85. Je suis en dehors, je suis dans le monde. Parce que je suis dans le monde, je suis en pile passe d'eau pour moi. Je ne suis pas comme si je suis dans le monde qui a la vie bon. Je suis un petit soyette, je suis un petit malheureux, je suis un paysan. Je ne suis pas dans Port-au-Prince. Je dis à Robinson, la classe politique en Haïti, pourquoi donner qu'il faut parti politique, moi-même, je suis dans le parti MID, Magbazé. Tu as des formations pour militants, pour partisans MID. Je dis à nèg qui fait un parti politique, ils sont des ordres que le ministre de la Justice, avec Michel Martelly, dans le pays. Majorité nègre dans le pays a un parti politique dans la valise. Le nègre a un parti politique dans la valise, Robinson. Il n'a pas de travail, il n'a pas de faim. Il vit seulement de la politique. Il a vu de la politique, Robinson. Même si son gouvernement monté, il a changé les conditions du peuple. Ça va intéresser, non? Parce qu'il n'a pas besoin de job dans le gouvernement. Et ça, c'est bon pour lui. Majorité nègre qui a fait politique dans le pays, il a toujours à veiller transition. Robinson, il y a des gens qui crient là, qui sont dans l'opposition, qui disent qu'ils regrettent, qu'ils regrettent, qu'ils regrettent. Ils ne peuvent pas collaborer avec Jovenel Moïse. Vous avez dit, lui? Vous avez dit, lui? Zélie d'FM. Qui t'a frappé Jovenel Moïse? Vous avez dit, lui regrette infiniment. Radio Omega. Mais collaborer avec Radio Omega. Et je vous dis, même nom et pas de père, le sénateur, ça t'a pas gagné de là, dans mon lieu. Non, mon canapé vert. Comme ça, non, bon plan. Bon plan. Monsieur Djou, la Jovenel Moïse, il est là. Bal presque 95%. Ça fait 95% pour voir. La fripouille politique. Pas d'accord. Et Jodignan, mes côtés, on mène. Jodignan, on nous garde Jovenel Moïse qui était là. 6 mois seulement, t'es arrêté. Mais, transition, gagner une santé économique au fait pour des années. Voilà, c'est temps. Moi, je suis dans la cité solaire là, moi, je suis dans la Botoa, moi, je suis dans la Solinoa, moi, je suis dans la Ravine. Mais c'est situation. Et je dis, là où est Iso, là où est Manou, là où est Wadebeso, je dénonce les gens qui vont aux âmes là. Alors, moi-même, je sais pas, moi-même, c'est ça, moi-même, là, ou même, c'est que, on m'a dit une clarification de la part du CP, du Conseil présidentiel, évidemment, et me pensais, faut bien clarification, ça. M'exigez, moi. Il y a, à travers une conférence de presse ou bien un point de presse, faut bien clarification, ça. Même Claude Joseph. Pendant. Même Claude Joseph. Même Claude Joseph aussi. Bien sûr, c'est évident. Yeah. Mais maintenant, maintenant, dites-moi, est-ce que Gary Conny gagner autorité pour prendre décision qu'il prend. CPA a vraiment éclaboussé par rapport à scandale ça. Mais ce gars il connaît gagne autorité ça sous CPA, CPA même qui mettait là, c'est de autorité ça pour demander BRH nommer en conseil hein, en commission qui pour gérer BNC pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Écoute, moi je dis. Non, est-ce qu'il y a autorité? Laisse-moi dire une chose, Benson. Non, là, on est en train de poser des questions. Ok, je ne vais pas dire autorité. Non, est-ce qu'il a cette autorité? Même map ici, tenter, répondre à Sodignan ou qu'à d'accord avec, ou qu'à d'accord avec. Non, mais tu n'as pas été à répondre. Non, c'est Gary Conny qui doit répondre quand même. Ou bien. Je ne vais pas parler pour Gary Conny. Je dis, ça me comprend de ça. Et voilà, c'est ça qui fait la démocratie des choses. Parler. Est-ce que c'est par solidarité que Gary Conny m'a dit ça? Que m'a dit gain une structure qui gère balay ça pendant 6 mois. Non. Pour moi-même, je me comprends. Gary Conny son premier ministre. C'est vrai, c'est CPA éclaboussé, c'est CPA éclaboussé, mais c'est des scandales. Il pas qu'à quitter des monde à rançonner. Au moins qu'il en pose déjà, pour m'aider pour éviter. Non, mais c'est extrêmement important. Ce que je vous dis là, c'est extrêmement important. Ça m'a important tout, Pérez. Ça m'a besoin important tout, monsieur Benson. Parce que c'est CPA qui mettait Gary Conny là. Conny a CPA éclaboussé,
et puis gars koni permettre excusez-moi permettre lui il dit comme ça bon structure là au niveau de BRH qui va gérer ça qui quoi c'est droit ça c'est une chose Gary Koni et Edgar Desblancs pour moi-même j'ai confiance qui est établi là de côté et moi je me dis ça tout le monde connaît Edgar Desblancs. C'est pas un nègre qui vont passer quand on regarde dire rien de lui. Son nègre, son personnage, c'est très respectueux dans le pays. Et on a dit, c'est ça, il garde le blague pour Benson. Non, dans le cadre de notre conversation. Qui était mal avant, Benson. On va parler de conseiller avec. Non, mais ça me plaît tout. Est-ce que le ministre doit demander BRH pour mettre en commission pour gérer qui doit laisse-moi dire une chose ça n'a pas au niveau de compréhension des choses on a parlé au niveau de compréhension des choses en tant que père de famille quoi tu es madame le voisin vient distopo qui doit qu'on a demandé qui doit faut tirer ni madame non mais c'est doit soin ça doit soin écoute soumet à qui juste donc par conséquent soit dit là c'est que premier ministre supplanté tout pouvoir CPA pour rétablir l'ordre pour ramener CPA à l'ordre et m'a essayé de m'aga qui m'a pas quoi c'est ça écoute m'a essayé de m'aga m'a pas quoi c'est ça reste conseiller mais ça reste conseil. Cadacou avec Gary Koni. Les conséquences, c'est que on va avoir un premier ministre tout puissant qui a sauvé le conseil présidentiel qui allait se casser. C'est ça les conséquences. Étant donné que trois conseillers qui étaient impliqués dans les scandales et que le premier ministre a pris des dispositions pour gérer Barayo, par conséquent, on s'en a bien là, on a un premier ministre tout puissant par rapport au conseil présidentiel. Et le conseil présidentiel, selon la hiérarchie des normes non établies, bien sûr, parler de la hiérarchie des normes, mais non établie. non établie. Robinson, est-ce que tu sais que Gary Koni devient, par rapport à ce dossier, le président de la République? Ou bien il devient ce que Gary Koni a été. Là, ça va dire une chose, Benson. Quoi vous va venir? Pas ce que Gary Koni, non. Ariel Henry, pardon. Ce que Ariel Henry a été. Ouais. Là, ça va dire une chose. Quoi vous va venir? Gary Koni, son super ministre, premier ministre. Problème, il y a vraiment multiple. Et problème, il y a nous presque fou dans les hier. Et c'est chaque jour, on a regardé le problème, on a dit ce qu'il y a pour nous faire. VPIR. Je dois dire qu'il y a pour nous ces questions sécuritaires. Il y a des gens qui disent que le premier ministre Gary Koni est venu là. Le premier ministre a fait comme geste, c'est descendre dans le centre-ville pour regarder la fond état des lieux, des choses. Quelqu'un qui s'est dit tout, plusieurs réunions faites en haut lieu et gagné comme un policier, directeur général de police qui changeait. Et un peu de monde t'a plaigné, t'a crié pour te changer Fonzel B. Il est venu avec notre directeur général, notre directeur général, notre policier qui s'est nommé de l'amour,
qui t'en a pris ça déjà, qui t'a quitté, et qu'on y a retourné avec monsieur. La police toujours à vivre avec même qu'un série, même problème matériel, même problème, parce que probablement dire la police a un pile graine. On a vu ça qui a un petit problème. Il faut que tu aies un véritable vêtement, on a vu ça pour qu'on ait ça à Kimbe et ça à Kimbe. Il y a un policier qui quitte le pays. Il y a un policier tout qui dit que tu n'as pas le poté bourré comme ça. Ben, il y a un petit peu de temps. Il y a un peu de temps que je me garde pendant que je réfléchis, je n'analyse pas ce qui passe dans le pays. C'est une déclaration que Jimmy Chérizy fait alias Barbecue sous M. Clamo. Je dis, au lieu de dire des bagailles qui mal sous, je préfère me dire rien parce que je ne vais pas dire il y a besoin de mal sous. Mais en même temps, malgré toute bonté que M. Clamo gagne, il ne va jamais impliquer dans rien qui mal. Puis il n'y a pas à reprocher M. Aïe, il a dit M. son bon technicien. M. est dans le gouvernement, qui est un premier ministre, qui gagne au conseil présidentiel. Et qu'on y a, nommé de Rameau supposé, chercher harmonisation avec policiers qui l'a eu et qui vise le pays. Mais pendant que M. Rameau avait fait ça, pas qu'un pays sous la terre, qu'on force police pour pas de matériel pour travailler. La police a fait toujours être ici, tout le monde connaît la police qui a monté en 95. Promotion 95 dans la police, ça, majorité pas là. C'est quelques graines qui étaient dans la promotion. Ça, ça nous toujours déploré dans la police. Non? Majorité de monde qui vient directeur général dans la police, non? C'est monde qui sorti dehors. Après, il y a trois graines monde. Qui disait que la police qui sont dans la police. Je dis à la police à vivre un problème. Le, la police là, parmi les constitutions reconnaître deux forces légales. L'armée et la police. L'armée était là. Il y a des hélicoptères. Il y a des chars. Il y a plusieurs machines. La meilleure a une possibilité pour lui faire des interventions rapides. Et c'est ça qui fait tout. Nous te prenons Camouquin, nous prenons communiste, nous faisons des bagages et avec support, Toto Makout, ça n'est ministre, qui te permettent que pays 1, 2, 3, 4, vous voyez qui fait Bédionville, pays national, il y a qui vient fait. Même dès qu'on ouais chaque après-midi à l'époque pas de WhatsApp pas de football c'est ça ouais dès qu'on ouais chaque après-midi effectivement passer là il y a deux nègres dans Kafoussa ici on bombe pétard on balle tiré faut qu'on ait qui goûte le tiré service de renseignement très très bon c'est ça Josian l'obre la police ou prend palais national ou prend ministère intérieur ou prend la primature. Ou blindé. Moun sa yo, chaque service d'intelligence. Ou blindé, ou papa rien. Qui sont fait avec l'agence sa yo? Est-ce que vous mettez des jeunes, des professionnels, travaillent comme informateurs pour la police d'information? Est-ce que le problème sa yo sous table? L'agence sa yo, n'est-ce que dépense l'agence sa yo pour faire lobby? Mais policiers, les gens qui sont dans le service, ils ne sont pas mis.
Et pas doit parler de service de renseignement et Joseph Pérez. Je dis à maintenant une rencontre avec des responsables de UNICEF qui racontaient bien sûr que dans le cadre de banditisme, dans le cadre de gang, il y a 50% de bandits qui sont des mineurs, oui. Qui sont âgés de 12 ans à 17 ans. Oui, et 50%. Il y a des journaux aux États-Unis qui même disent 50%. 50%. Timoun. De bandits. Ça dit, ouais, non, problème de banditisme, il y a là. Il y a 50% de bandits qui existaient là, je ne veux dire, c'est des mineurs curieux. Qu'est-ce qui est son problème? Alors, Wenson, ma paix continue avec mon Dieu, mais vous attendez là tout, vous avez intervenu à tout moment. Josien, problème qui gagne, Grand Ravine, Matissan, Fontamara, Grissier, Croix des Bouquets et Belay, et l'autre grand Canarin. Au moins quoi des bouquets. Oh, tout le pays. Tout le pays en général, mais il y a deux départements qui peuvent toucher aussi. L'Ouest avec la Timonite. Josian, ou gagné un premier ministre qui c'est chef CSPN. Ou gagné ministre intérieur qui est dans le Gomousson encore. Et puis ou gagné directeur général Baudistan qui est dans le Gomousson. Mais pas qu'à foutre comprendre ça, Robinson. Pour gagner autant d'autorité des mondes qui formaient aux États-Unis, majorité n'est qui viennent dans la police à la formation aux États-Unis. C'est quoi, je me donne son police qui fait, mais les Américains contrôlaient le directeur de police. Qui j'en fais? Pour toute demande que j'ai fait, pour la police va doter d'hélicoptères. Parce que si la police n'a pas gagné d'hélicoptère, pas gagné char, vous savez, nous pas gagné. Si ça soit vraiment difficile. Mais ce barbecue du Mike qui est important, hélicoptère en les liés. Parce que Jimmy Cherizier dit comme ça, monsieur Jimmy Cherizier dit comme ça, combat c'est atelier. C'est atelier, c'est quoi là qui est important? Ça dit qu'il doit être en l'air. Et monsieur du Mike qui est extrêmement important, Joseph Pérez. Monsieur dit comme ça. Ou a vu des bombes, ou a tiré sous. Pardon, à l'air, ou a tiré sous UTAG, ou a tiré sous CIMO, ou a tiré sous USGPN, à terre. C'est-à-dire, il veut montrer que nous tous à terre, net. Le peuple haïtien est à terre. Winston, c'est une chose. Où est l'hélicoptère, Winston? Pas. Si ça, monsieur Cherizier dit à l'immentier ou pas. Mais moi, je dis ça, moi. Ou dans l'hélicoptère, l'hélicoptère qui a des radars. Ou dans le ventre, moi, dans le cadre, il y a qui est-ce qu'il y a dans le cadre. Il est. Ça dit qu'il y a des tirs précis, Comme l'hélicoptère a tiré, il va tirer le monde qui est civil. Parce que qu'est-ce qu'on a là? Oui, mais avec. Et c'est pour ça. Avec notre Kenya, est-ce qu'il y a des tirs précis? Le gagné. Avec notre Kenya, est-ce qu'il y a des tirs précis de café? Bonjour. Ce qui est du côté en l'air, par exemple, toujours là dans le grand-tier, tu as un petit balle de mes nègres? Il y a un bouquet, puis à le grand-tier. Je dis, il y a un problème, non? Même dit Claire Robinson. Si la police, non, Robinson, pas capable de résoudre le problème. Parce que ça laisse 600 millions de dollars, Robinson, que la communauté internationale injectée pour force police à rentrer là en Haïti. C'est 600 millions de dollars à permettre nous l'armée, à permettre nous policiers assez fort qui commence à sécuriser. Moi, je pense que très sincèrement, il faut éviter de dire que la police nationale ne peut pas résoudre le problème. La police nationale d'Haïti peut résoudre le problème parce qu'elle ne peut pas résoudre le problème. La police nationale a résolu le problème parce qu'elle va résoudre. Parce qu'elle n'a pas le moyen. La police n'a pas le moyen. Il n'a pas effectif. Et s'il n'a pas le moyen, elle n'a pas effectif. Maintenant, est-ce qu'il faut écarter la police nationale d'Haïti? Et il faut reconnaître aussi que la police nationale d'Haïti fait beaucoup d'efforts jusqu'à présent.
On a des territoires perdus, le CPS. Si vous voulez. Mais tous les territoires ne sont pas perdus. Des territoires. C'est grâce à la police nationale d'Haïti. Les territoires perdus, c'est voulu, monsieur Robinson. C'est voulu, comment c'est voulu? Non, ça nous échappe, non. Non, non, c'est pas voulu. Quittez-nous. Ça nous échappe. Quittez-nous, Robinson. Quittez-nous. Dis-moi. En plusieurs fois, il y a des opérations qui ont fait dans le village. La monsieur a percé dans le village. Au soir des 12 mars. Et puis il dit. Au soir des 12 mars. Et vous c'est chemin. Je dis à Robinson. Non, est-ce qu'au soir des 12 mars? Est-ce qu'au soir 12 mars? Non. Est-ce que 12 mars, 12 c'était mars, voulu? Pas est-ce planifié. Voulu? 12 mars, pas planifié. Dit pas planifié, Robinson. 12 mars, pas de planification sur lui. Mais aucune opération policière d'Haïti n'est planifiée. Pas aucune opération policière d'Haïti je planifie. Je dis à Robinson. Je dis à Panavola. Si les États-Unis d'Amérique, qui ont une nette en 45 minutes de l'eau, ils ont résoudre le problème de sécurité, c'est une nette à la poste. Et nous tous. Et tu sais pourquoi ça. Est-ce que tu sais pourquoi? Il me regarde pour qui ça. Je dis Charles, est-ce qu'on pour qui ça? Dis-moi. Parce que je vous dis, hein, factory a des mètres. Effectivement. Il y a des superviseurs. Effectivement. Il y a des gérants tout. Il y a des employés tout. Ah, mais bien sûr. Et je dis, hein, comme on n'a pas eu de mètres, là, il faut que nous sommes très prudents dans ça que nous avons dit de mettre là. Parce que je ne peux pas dire, mettre un noir ici en tout, il passe autour de lui. Qu'on super mettre, mais qu'on mette Haïti. Non, mais ça dit, on super mettre. Mais qu'on mette en Haïti. Et je dis, hein, Robinson, qu'on veut qu'on parle, si la police nationale, si la communauté internationale, pas dit, veut que cela cesse, ça va cesser. Clair. Quand on donne une force à prendre un pays, les gars, venez, c'est musique, à danser. Non, mais c'est comme son briquet, son briquet. On dit son briquet, on finit. Robinson, où t'es là en 94? Mais bien sûr. Où t'es où les gros forces qui descendent là? Bien sûr, c'est évident. Et tout le monde est où? Où est-ce ça capte transporter en l'air? C'est comme un briquet. Où est le matériel? C'est comme un briquet, on dit son briquet, on finit. Je vous dis, ça capte passé dans la Tibonite là. Ou bien M. Ménard, qui est directeur du département de la Tibonite, c'est on honte pour la police, on honte pour la société, hein, malgré M. Ménard dit pas gagner matériel. Mais son chef, vous pas gagner matériel. Ou des gens, ou en face aux situations, ça, Robinson. Prouve-toi. Dis vérité. Yeah. Parce que moi-même, quand je parle de micro là, c'est monsieur et madame. Quoi. Parce que si je m'imagine le résultat, mon natif est gangrené avec gangatouille. C'est évident. Mais c'est monsieur Ménard. Et je dis, monsieur là, moi dis, un bon matin, on a levé, on a gagné, et porte-parole pour ça, qui a fait un bilan pour nous, de ça qui fait. Mais monsieur Ramon. Mais tu sais. Dans combien de temps? Le seul problème que j'ai là. Par rapport à l'information que je t'ai donnée là tout à l'heure, Joseph Pérez, je parlais avec des responsables de l'UNICEF qui disent ça, il y a 50% de bandits qui sont des mineurs. Et puis? Et puis quoi? Et puis qui ça? La génération qui vient. Ah, ok. C'est-à-dire, ça va. Non, c'est pas ça. C'est pas une lettre à la poste. Mm-hmm. C'est-à-dire que tout ça qui vient venu après là, c'est des bandits qui sont à pied. Tout ça qui vient venu après là, c'est des bandits à pied. Comment stopper tout ça? Robinson, écoute. Je vous dis. Non, c'est pas une force. C'est pas une force de Kenya qui va. Robinson, on a dit. Écoute. Gouba avec une maison à pays. Mais est-ce que tu sais que c'est inquiétant? C'est inquiétant. Extrêmement inquiétant. Là. Mais je vous dis à Gouba avec une maison à pays. Nous mesurons prendre force, nous mesurons prendre conscience de nous. Le jour que nous sommes capables de gérer tête, nous, sans nous battre au monde, qui dit, mais ça va nous faire. Nous prenons décider pays nous en main. Ça va changer, Robinson. Écoute, Haïtien, c'est nous pas mal pour nous contenter. Pendant, nous avons pile d'ambition, nous égoïsons. Mais nous pas mal pour nous contenter. Puis gros problème pays, ce sont des politiciens.
les politiciens mal avisés, les politiciens qui mettent tête ensemble avec la certaine frange dans la communauté nationale qui rend nous sangue là, je veux dire. C'est écrit quelque part. Où ça? Tu as dit quelque part, mais où ça? Écrit quelque part avec Mungilayo. Si on a regardé, j'ai défilé. Comment tu ne vas jamais regarder pour aller dans Washington? Pas j'aimerais ça? Non, mais écoutez, ce sont des sous-sous, des choses comme ça, etc. Mais, Robinson, est-ce que j'aime mon nègre? Je ne veux pas dire, pas d'écrit. Quand vous coupez à ville, si reste un Jovenel Moïse, Robinson. Qui tire ce Jovenel Moïse? Si c'est moi qui t'as prêté là. Qui c'est moi? Attendez. Qui c'est moi, Jovenel Moïse, t'es arrêté? Jovenel Moïse, mandat t'es fini. Qui c'est moi? Ah? Pas laver. Ah non, mais. Pas laver. Comment on a défini? Mais il y a des policiers qui te disent Jovenel Moïse, mandat fini. Qui est mandat fini? Ah, mon cher. Est-ce que c'est des détracteurs, mon cher? Et ça fait payer à la tour. Non, mais pas comment ça fait. C'est ça fait payer à la tour, Benzon. Ok. Mandat défini. Parce qu'il y a des politiciens qui avaient dit que Jovenel Moïse, mandat défini. Qui est-ce qui m'a arrêté? Qui est-ce que vous savez? Et il y a des politiciens qui avaient dit aussi. Bon, mon politicien. Attendez. Bon, mon politicien qui défini. Bon, ok. Attendez, c'est politicien 0% voix. Attendez. Il y a des politiciens qui avaient dit aussi que 4 des malogues, pas bon, pas fait. M'en dis, je vais 4 dans la poche. Où est-ce que la poche? Voilà le modèle de ce pays. Mais Robinson, il faut arrêter. Parce que nous pas qu'à continuer pour nous pays, pour nous des jeunes. Mais tu sais, c'est le plus grand procès qu'on doit faire dans ce pays. Moi, je t'aime que nous entrons dans une dynamique pour nous connaître qui les mandats Jovenel Moïse a fini. Je ça. Jovenel Moïse finit de mourir, mais je compte qu'il est mandat à fini. Il y avait eu tellement de bêtises autour de Jovenel Moïse, autour de son mandat, qu'il est à fini. Et si nous sommes ici aujourd'hui, on va dire que c'est grâce aux politiciens d'Haïti, non? Mais c'est grâce au combat de ces politiciens. Effectivement, je suis d'accord avec toi. On pensait que nous venons faire émission. Hein? La fin émission, déjà. L'émission est arrivée. Oh my gosh. On pensait que la pile bas nous a tant de choses à. Et mais malheureusement, reste assez bon guerrier pour lundi. Même retirer quoi. Moi, merci à tout le monde qui t'a suivi l'émission. Merci à tout le monde et merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de. Cafou. De UniFM et de Mega. De Mega, bien sûr. Gouni n'est tout un jour. Parce que bon série de bagailles, les waptons de bagailles, ça y est, Gary Koni doit faire des déclarations plus énergiques côté que pour moun yo senti que bon moun kap parle. Parce que sou pa gen ta sou, ou ben on va quitter moun, corrompu y a crasé pays à consa nan moun. Va quitter moun ta sou. Eh ben ok, compliment, merci à vous, merci à vous. Bon. On est bien là pas facile en ville pour nous, on comprend parce que nous pensons que c'est derrière nous. Kembe la, frère. Ça nous dit, nous avons beaucoup qui compte nous, en tous les cas, félicitez nous. C'est de s'aligner nous, pays c'est pour nous, même quelqu'un qui est guidéo, c'est pas comme si nous sommes et l'accusation de s'aligner nous. C'est formé pour nous venir des pays. Nous féliciter nous. Haïti va périr. Nous sommes plus grand national. Haïti va périr. Merci infiniment. Merci à vous. Soumou ça, nous disons merci. Merci à vous. Ok, alors, nous obligez vos auditeurs. Les appels sont nombreux. Nous n'avons pas besoin de quitter nous faire des barres. Parce que là, c'est pas appel. Mais justement, et par rapport à cet auditeur, et Joseph Pérez et monsieur Abtandé là me devait dire monsieur Mbagay Joseph Pérez on connaît ça veut dire au fond bac pour qu'à mieux sauter ouais je dis avec les élections avec la question de la constitution etc son bac n'a fait pour nous sauter et je dis à moi clair sur ça moi même Robinson a dit ça moi clair sur ça. Faut que nous définissons transition. Transition, ça, qui s'allie
ça nous voulait. Est-ce que nous voulons une sorte de refondation de l'État? Ou bien est-ce que nous voulons faire des élections, nous voulons changer la constitution, etc. José Pérez, n'a fait élection. Je ne passe pas le passé. Élection, on ne connaît pas la démocratie. Je ne passe pas le passé. Nous faisons élection. Nous changeons la constitution, etc. Ouais, puis devant, on a rencontré le même problème que nous avons gagné avant Martelly. Avant Jovenel. Bonne solution, Pierre Robinson. Bonne solution, Pierre. Bonne solution. Nous pas fait ça. Pas bonne solution. Mon grand gouvernement yo et surtout moun qui va le faire qui va le travail sous réforme constitutionnelle voilà parce que ça qui arrive au Benson vous m'avez qui est extrêmement important pour constitutionnalisation c'est ça faites très attention à ça c'est moun qui va diriger le pays que des députés que des sénateurs que des présidents qu'il des magistrats, qu'il des délégués, que petit monde ça yo. C'est vous écrit. Yo pas qu'à rendre au pays. Et bradou qui ça. Parce que je veux dire, nèg qui vient dans pays, qui vient dans tête pays en tant que directeur général, ministre ou bien député sénateur. Nèg pas un pays comme un pays. Yo prend comme une factory. Pour qui ça comme une factory? Parce que nèg a travaillé jeudi. Fin de jeudi après-midi, il prend un avion dans une famille aux États-Unis ou bien en Europe, à l'autre côté, et puis il tourne lundi matin bonheur. Jeudi, qui sait que ça va faire pour une bonne école, pour une bonne université? Ça va garder. Est-ce que ça va faire des cours dans le pays? Ça va garder. Est-ce que ça va faire des dans le pays? Est-ce que ça va faire l'infrastructure du pays à changer? Ça va intéresser. Parce que c'est l'argent à prendre pour vous y investir de l'autre côté. Moi-même, je pense, Robinson, deux jours, regardez, Jean-Claude Duvalier, François Duvalier, tout en Haïti. Est-ce qu'on va traiter de courant? Est-ce qu'on va traiter de l'eau? Est-ce qu'on va traiter de changement? Est-ce qu'on va traiter de bicentenaire? Je dis, on va dire que. Je dis, nous tous reconnaissons, Robinson, que le pays a fait des gommes tant que Duvalier est dirigé. Et non, moi, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Mais c'est normal. On dictateur par mais personne en face. C'est normal si un dictateur par gagner ISO, par éviter l'homme. Robinson n'est pas une dernière chose. Son dictateur lié. Robinson n'est pas une dernière chose. M'bra dou qui fort là, n'bou kontra parole. Ce qui engage. Mais on dictateur son dictateur lié. Robinson s'embra dit ça qui engage. Un dictateur par gagner. Robinson s'embra dit là qui pas engagé. Ni Radio Mega, ni Mega, ni NFM, ni un rien engagé, M. Pérez. Ma prépite encore. Ça m'a dit là. Il m'a engagé ni Radio Mega, ni NFM, ni un rien. Cela n'engage que José Pérez. Haïtien pour comprendre pour une démocratie. Non, Haïtien pour comprendre pour une démocratie. Fini. Ça c'est évident parce que démocratie, ça fait pour moi. Fini. Qui a l'école. Ça fait pour mon calcul. D'accord. Ça pas d'accord avec moi. Non, mais c'est clair. Si vous comprenez. Non, pas qu'il y a fait mon qui pas fait d'accord. Tout le monde est d'accord. C'est ça. Démocratie pas faite pour mon qui pas contre lui. Et ça, c'est évident. Et moi, j'ai une bagaille. Jodi à Robinson, pour nous finir avec les conseillers, moi-même, moi exiger, moi demander conseiller que des clarifications. En pile sagesse, bah une conférence de presse à trois.
parce que c'est nous trois qui sommes accusés, pour nous expliquer la situation. Et nous demander, président, conseil BNC, hein, bah une conférence pour clarifier, malgré l'ILCC, sous dossier, hein, mais nous clarifier au moins la République a gagné. Mais ce que je voudrais te faire remarquer, c'est que les conseillers coupables ne pourront jamais se dénoncer, ou pas qu'à dénoncer Tétio, absolument pas. Et les autres conseillers peuvent se montrer solidaires, attention. Écoute. Maintenant, président conseil BNCA. Non, conseil n'a pas gagné immunité, non, papa. Fonde sous ça. Non, il n'y a pas d'immunité. Conseil n'a pas gagné immunité, non, mais attention. Fonde sous ça. Attendez, par solidarité, il n'y a pas dénoncé l'autre qui est responsable. Qui est coupable. Oui. Par solidarité. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, n'est-ce qui vraiment coupable, yo? Est-ce que vous allez dénoncer Tétio? Au moins, c'est au même où tu as coupable pour le dénoncer Tétio. Attendez, Robinson, attendez. Que on va dénoncer Tétio. Même ma bas d'explication. Au moins, pays à qu'on y a là, pays à vraiment. Nous n'en avons. Attendez, ça dit ça. Non! Faut que nous au moins nous ne nommer nous. Nous ne pas gagner nommer nous. Et je dis à Robinson, le problème de ce pays, ça qui est là, on te dit tout à l'heure, c'est nous tous qui sommes coupables. Parce que c'est nous toutes